Bonjour, petit Wistiti. Aujourd'hui, je te rejoins dans une nouvelle vidéo où nous allons couper nos cheveux. Hello, petit Wistiti le chat. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te rejoins dans une nouvelle vidéo où je vais me couper les cheveux à l'aide d'une petite couette merveilleuse que je vais faire sur le sommet de mon crâne. Alors, tu te demandes sûrement pourquoi je me coupe les cheveux alors que j'étais contente d'avoir enfin les cheveux assez longs puisque mes cheveux m'arrivaient à peu près ici. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a à peu près 35 minutes. Voilà. J'avais déjà coupé 3 cm de mes cheveux et je me suis un peu laissée emporter. Je me suis dit, allez, on va faire une vidéo, on va se couper les cheveux et tout. Du coup, la longueur de mes cheveux actuelle est un peu plus courte. Je ne te spoil pas, c'est pour ça que je me suis fait une petite couette, histoire que tu ne puisses pas voir le résultat de mes cheveux une fois coupés. Et je vais te laisser à la vidéo. Le début de la vidéo est peut-être un petit peu plat, je suis désolée, mais je suis malade aujourd'hui. Et c'est toujours à la fin de la vidéo que je commence à avoir un petit peu de... Tu vois ce que je veux dire quoi. Du coup, au début de la vidéo, je suis peut-être un peu plate, c'est normal, c'est parce que j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien, et blablabla. J'arrête pas de parler, je te laisse à la vidéo, et je te dis bah tout de suite, tout de suite, parce que bah voilà. Oui. Hello, petit Wistiti le chat, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas mieux que moi, parce que si j'arrive à filmer cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai un day off. Et si j'ai un day off aujourd'hui, c'est parce que je suis malade. Je sais pas ce que j'ai, hein, voilà. Si vous vous posez la question, j'en ai pas la moindre idée. Je me suis levée ce matin, ça n'allait pas. J'ai failli perdre connaissance 36 fois, j'ai failli vomir 36 fois. Quand on m'a demandé ce que j'avais, j'ai pleuré. Donc je suis juste dans un jour nul. Mais je me suis dit, bah pourquoi pas filmer une vidéo, profiter de ce jour off pour filmer une vidéo. Aujourd'hui, je te rejoins dans ce cadre merveilleux. Quelle Australie, comme tu peux le voir, quel beau cadre. Ceci, et surtout celui-là. Donc je suis actuellement derrière les toilettes communes de la ferme dans laquelle je travaille, puisque c'est le seul endroit que j'ai trouvé où filmer. Donc je suis derrière les toilettes, voilà. Ceci explique cela. On va pouvoir passer maintenant à la vidéo. Donc aujourd'hui je me coupe les cheveux. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la seule réponse que j'ai trouvée aujourd'hui à cette question. Du coup je vais les couper aujourd'hui avec une technique incroyable, qui est la technique de l'élastique. Du coup depuis mes 16 ans plus ou moins je me coupe les cheveux moi-même, mais je fais la technique incroyable. Je divise mes cheveux en deux, je regarde où sont mes omoplates et je coupe au niveau des omoplates. Voilà. Donc je vais me brosser les cheveux pour la 350e fois aujourd'hui, puisque j'essaie de m'occuper comme je peux. Je prends mon magnifique élastique couleur scout et c'est une mauvaise technique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je comprends même pas ce que je fais en fait. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Donc en fait le truc c'est que je dois attacher mes cheveux au sommet de mon crâne ici, en essayant de pas faire de bosse. On va essayer comme ça. Actuellement le visage dans le sein. Est-ce que j'ai fait une bosse? Je ne pense pas. Quoi, ces chaises sont tout le temps trempées? C'est les chaises qui sont trempées ou c'est moi qui transpire du cul comme un porc tous les jours? Et voilà, ce tutoriel coiffure est maintenant terminé. Du coup maintenant je me suis attachée les cheveux. Aïe. J'ai tout arraché. On va tirer ceci vers le haut. Vous pouvez voir que ici il y a beaucoup plus de cheveux qu'à la pointe. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est que mes pointes de cheveux, mais je sais pas si c'est tous les cheveux blonds, mais j'ai l'impression que c'est souvent les blondes qui font ça. Tu laisses pousser tes cheveux 3 cm, t'as 6 cm de pointe qui apparaissent. C'est incroyable. Tu peux jamais laisser pousser tes cheveux et que ce soit beau partout. Enfin, je sais pas comment ils font les gens, à moins que ça leur prenne 20 ans, tu vois. Mais moi, à chaque fois que je fais pousser mes cheveux, ils cassent. Voilà. Et ben, tout ça, toute cette partie-là, elle est sèche comme la mort. Du coup. Je crois que depuis mes 15 ans, mes 13 ans, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs. J'en étais contente. Eh ben, c'est foutu. Oh, je ne vois rien. En plus, j'ai pas de miroir, je sais pas ce que je fais. Je suis dedans. Est-ce que je le coupe comme ça ou je le coupe plus? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Bon, on va tester, au pire ça repousse. Hein. 1, 2... Ah. C'est moche. Imaginez si j'avais cette coiffure-là dans la vie. Waouh. Bon bah vu à quoi ça ressemblait, sans déconner je ne regrette rien. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Je vais garder ça. Qu'est-ce que ça donne? I don't know. Can you repeat the question? You're not about me now. Life is unfair. Bon, pour être honnête, ça m'a l'air pas si mal. Ça m'a même l'air d'être une incroyable technique merveilleuse. Je rêve ou ça m'a fait un dégradé? On me sent si léger. D'avoir perdu 20 kilos. Bon, ben j'avais les cheveux jusqu'au sein, et ben maintenant plus. Mais la technique de l'élastique, mon ami, bah franchement c'est pas de la merde. Alors je vais vous montrer derrière.
J'ai pas regardé si mon ciseau était mis droit. Ça se fait, voilà, j'ai les cheveux comme ça. Après, c'est moi mes cheveux, j'en ai un peu rien à branler. Bon bah voilà le résultat. Je suis plutôt contente, ça me va, je me sens un peu plus légère. Si mes petites aventures capillaires te plaisent, n'hésite pas à regarder mes précédentes vidéos sur mes colorations. Et n'hésite pas à t'abonner puisque d'autres vidéos coloration vont suivre sur ce YouTube. Et oui, je t'ai manqué mon petit vestiti, je sais. Si jamais mon côté pastel te manque à ce point, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, le.dahlia.rose. Pas très compliqué. Je reviens en force avec plein de photos pastel et j'espère sincèrement que ça te plaira. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand dans n'importe quoi comme vidéo. Salut!